Les amis, bonjour, bonsoir. C'est officiel cette fois-ci. Mamiton n'est plus de ce monde. Mamiton nous a quittés cette nuit, il y a cela 6 heures de temps. Voilà, l'information est officielle. C'est vrai que certaines pages ont peur de relayer parce que vous connaissez ce qui s'est passé la fois passée. Chacun s'est dit, ah, je peux encore lire quelques pages, je viens parler, après ça cuit sur moi. Mais comme vous pouvez constater là, comme je vous vois en image, c'est bien publié sur sa page officielle. Même pas seulement un seul poste. Le premier poste, c'est bien mentionné là. Mamie, ton nous a quittés. À toi les fleurs, à nous les pleurs, maman. Tu t'es battu. Tes enfants sont fiers de toi. Merci à tous ces fans. Voilà, encore plus loin, ils écrivent, cette pluie, c'est pour toi, maman. Va en paix. Donc, c'est certainement sa fille qui a publié ça sur sa page. Mais c'est ses condoléances encore à la famille de Mamiton, tous ses enfants, ses proches, ses fans également. Que la terre de nos ancêtres te soit léger. Voilà, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Donc, comme vous pouvez constater, parfois, les réseaux sociaux là, peut-être ça nous dit parfois la vérité, hein, parce que on a lu sur certaines pages autrefois, et certaines personnes disaient vraiment 2 semaines, 3 semaines, c'est beaucoup. C'est mieux de débrancher les appareils sur Mamiton parce que vraiment, là, ce n'est plus le coma, c'est déjà autre chose. Ce sont les appareils qui la maintiennent en vie. Bon, ça veut dire que vraiment, à la dernière minute, on a vu qu'il n'y avait vraiment plus d'espoir. Et voilà. Ah, la vie. Appelez Canal 2 maintenant, hein, que c'est officiel. Qui peut déjà maintenant parler? Mamiton est tombé comme ça. On ne doit plus rien expliquer à personne. Chacun sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on retient donc? Est-ce que les gens vont alors comprendre que la vie n'est rien? Quelle est la leçon qu'on retient chaque jour? Moi, les gens m'ont dit que, voilà, j'avais lu quelque part quelqu'un a dit que je suis le champion pour annoncer les avis des décès. Moi, je n'annonce pas seulement les avis de décès. Chaque fois que j'annonce les avis de décès, il y a un message que je passe derrière pour ceux qui peuvent comprendre. Mamiton est comme ça sur son chemin de départ pour l'éternité, pour l'au-delà. Est-ce que Mamiton, en partant, a pris quoi? Rien, n'est-ce pas? Elle n'a rien pris. Tout ce qu'elle a laissé, c'est sa progéniture, le matériel que vous tuez vos frères chaque jour, que vous assassinez les gens chaque jour, c'est pourquoi après? C'est pour finir dans 2 mètres, 2 mètres 50. C'est tout. Est-ce que même les 8 millions qu'on a cotisés, Inch'Allah, est-ce qu'on va mettre dans sa tombe? Non, ça va rester, non. On va prendre une partie, organiser ses obsèques, et ça, le reste, ça va rester sur terre. Même si on achète le cinquième de 5 millions, c'est pour les termites. Elle n'a rien pris. Elle est partie. Et le jour qu'elle est tombée, on nous a dit qu'elle était à un mariage. Donc elle était en train de danser. À la veille, quand elle s'habillait, elle sortait pour aller au mariage. Elle n'avait pas imaginé, n'avait pas pensé. Elle ne pouvait même pas croire que c'était ses derniers moments, que c'était son dernier jour. Frère, si tu as ta part, mange un peu. Parce que à l'heure-ci, on ne connaît plus ni l'heure, ni le moment, ni le jour. À chaque instant, tu peux lâcher, mon frère. Nous sommes des malades ambulants. Et méfiez-vous toujours et dis aux gens que tu vas voir qui je suis. Imaginons un peu un instant. Si Mamie Tom avait un problème avec quelqu'un, qu'il avait dit ce jour-là, que tu vas voir qui je suis. C'est que le gars est en train de porter le fardeau. C'est que la personne est en train de porter le fardeau de ça maintenant.
Donc, contrôlons un peu parfois ce qui sort de nos bouches. Et on devrait dire que non, c'est toi qui as fini avec mamie. Donc, chaque situation dans la vie doit nous renseigner, doit nous éveiller, doit nous éduquer. Faisons très attention. Faisons du bien. Faisons du bien. Oui, parce que le temps est court. Quand tu as la possibilité de faire du bien, fais-le. Parce que le temps est court. Ah oui. Voilà comment la vie nous enseigne. Mamie, ton pas sans dire au revoir à personne. Vous voyez? Vous voyez la vie, non? C'est aussi simple comme ça. Donc, c'était juste pour vous informer. Le départ de Maniton. Voilà. Famille, c'est la vie. Ciao. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces. Une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.